Le repas est prêt. D'accord. Amaka, madame, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc maintenant tu mets 4 viandes pour que mon mari et moi mangions? Hein? Tu es malade? Je suis désolée, madame. J'ai pas mis assez de viandes parce que vous vous plaignez concernant la sauce. Hein? Donc maintenant tu écoutes déjà les conversations entre mon mari et moi? Donc c'est arrivé à ce point? Tu es stupide! Ma chérie, prends cette sauce maintenant et va rapidement m'ajouter de la viande. C'est bon. Je n'ai pas envie de beaucoup de viande. Tu peux en prendre 3 si tu veux. Ah. Tu dois la défendre. Tu dois vraiment la défendre. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je réprimande cette fille, tu la défends? Pourquoi? Elle a simplement fait ce qu'elle pensait être bien. Ok? Amaka? Monsieur. Rentre à la cuisine. Merci, monsieur. Ok, non, je n'aime pas ça du tout. Je n'aime vraiment pas ça. Elle est ma domestique et j'ai le droit de la réprimander. C'est bon. Tu ne peux pas faire ça ce matin, c'est trop tôt. Ok? Non, ça ne va pas. La femme de ma jeunesse. Donne-moi un sourire. Je ne souris pas. Qu'a-t-il? Ino, je n'aime pas ce que tu me fais. Je n'aime pas ce que tu me fais. Chaque fois que je te demande de l'argent, tu me racontes toujours des histoires. Hein? Tu quittes d'une histoire à une autre. Hein? Donne-moi de l'argent que je m'achète des mèches naturelles comme mes égaux le font. C'est quoi ça encore? Les cheveux, les mèches naturelles. Combien? Il y en a pour 800, il y en a pour 500. Et 300, ça dépend de ce que tu peux t'en offrir. Mais écoute, on va pas se disputer à cause de ça. Pas du tout. Écoute, voici ce qu'on va faire. Tu vas t'acheter celui de 800. Pour que ce soit durable. Car tu sais que je n'apprécie pas vraiment les choses de mauvaise qualité. Achète celui de 800 avec la monnaie de 200, tu pourras prendre la moto. Comme ça, moi, j'irai prendre. J'irai chercher mes clients. Tu comprends? Innocent. Qu'est-ce que c'est? Mais écoute, tu m'as dit qu'elle n'avait pour 800, pour 300 et pour 500. Et comme je n'aime pas les choses de mauvaise qualité, alors c'est pour ça que je te demandais d'acheter celui de 800. Et avec la monnaie de 200, tu pourras t'en servir pour prendre le transport. Comme ça, moi j'irai prendre mes passagers qui m'attendent. 800 000 naira. 800 000 naira. Seigneur. Ah. 800. Boma. Hein? 800. 800 000. Oui. Pour la greffe. Ok, je vais te poser une question. Si je t'achète cette greffe, où vas-tu la porter? Sur ma tête, non. Je vais jeter celle-ci et mettre l'autre. Sur cette tête de cervelet? C'est sur cette tête de cervelet qui n'a absolument rien à l'intérieur. Attends, dis-moi, c'est sur cette tête que tu veux prendre une greffe de 800 000 et poser dessus? Tu n'as pas pitié de toi-même. Innocent. Imbécile. Imbécile sans foi. Je t'ai dit maintes fois pourquoi tu me traites d'illettré. Puis tu me traites de cervelet. Ne m'insulte pas, oh. Ne m'insulte pas, oh. C'est bon, ne te fâche pas. S'il te plaît, ne te fâche pas. Tu sais très bien que je rigole. Pas de problème. Je vais t'acheter cette greffe. Je vais te l'acheter. Mais à une condition. Dis la condition. Je vais le faire pour toi. Je vais le faire. Ok, d'accord. Boma, épelle greffe. Épelle quoi? Boma, épelle greffe naturelle. T'as perdu la langue? Bon, vas-y, épelle greffe si tu y parviens. Alors on ira l'acheter tout de suite. Innocent. Donc c'est parce que tu sais que je ne suis pas là à l'école. Parce que tu sais que je ne sais pas écrire. Que tu me demandes d'épeler greffe naturelle. Voilà. Comment est-ce que tu vais l'épeler, non? Comment est-ce que je vais le faire, hein? Donc tu sais que tu es bête. Tu sais très bien que tu as une tête vide. Mais tu vas acheter une greffe qui coûte 800 000 pour la poser dessus.
Voilà que tu es bien incapable de faire juste une toute petite autographe. Ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute à moi. Ouais, c'est ça. C'est de ma faute à moi. Je m'en veux d'être sorti avec un gars de ton espèce, un taximan. Boma est belle greffe naturelle et j'irai t'en acheter une tout de suite. Ou épaisse simplement greffe. Si t'es incapable de payer greffe naturelle, épaisse simplement greffe. Tu vois? C'est de ma faute. Tu sembles oublier que c'est à pied que tu rentreras chez toi. Parce que je ne veux pas te déposer. Innocent. Boma, quelle conne. Tête vide. Tête vide. Voyez-moi une idiote. Bonjour, madame. Amaka, je vais comment bien. Tu vas? Bienvenue, madame. Merci beaucoup. Vous êtes très jolie, madame. Oh, merci. Que puis-je vous offrir? Rien, ça va. Vous êtes sûre? Rien. Oui, merci. Salut, ma puce. Hey! Salut, chérie. Est-ce ton visage? Ma chérie, tu es comment toute rayonnante. Je t'assure. Et toi donc? Tu es très belle. Sans blague. Sérieux. Ah, tu ne veux rien à boire? Oh, non, ça va. J'en ai sûre. J'ai eu un lourd petit déjeuner avant de quitter la maison, donc c'est bon. Ok, alors comment vont les choses? Ça va, on se bat. Comment va Charles? Charles. Je n'ai plus entendu parler de lui. Aucune nouvelle à son sujet. Je n'arrive toujours pas à croire que ce gars s'est joué de moi et s'est enfui avec mon argent. C'est toujours un choc. Les escrocs. Tous les hommes sont des escrocs. Pas tous les hommes. Mon père n'est pas un escroc. Mon mari n'est pas un escroc. Mon frère n'est pas un escroc. Ou alors ton père en est un? Oh, allez, exactement. Bien sûr qu'il ne l'est pas. Peu importe, ce que je voulais dire, c'est que... Tu as entendu ça? Oui, j'ai entendu. Amaka! Amaka! Madame. Qu'est-ce qui vient juste de se casser? Rien, madame. Tu en es sûre? Oui, madame, rien. Je l'espère. Sinon, je l'espère bien. S'il te plaît, dépêche-toi à la cuisine afin d'aller au marché m'acheter des choses que j'ai l'habitude d'utiliser pour préparer la sauce. D'accord, madame. Bon sang. J'en ai marre. C'est comme ça que je dois bavarder tous les jours. Vas-y doucement avec elle, d'accord? Vas-y doucement. Vraiment doucement. Où est-ce que tu vas? Tu arrives. Combien? Ça fait 1000 naira.
1000 naira pour Jare? Je n'ai pas. Je n'ai que 500 naira. Allez. 1000 naira, c'est le prix. Je n'ai que 500 naira. D'accord, pas de problème. Je vais te transporter. Et puis, c'est juste parce que tu es belle. Hein? Merci. Allez, viens, 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 entre. Lima, je suis vraiment trop excitée à l'idée de ton retour. Oui. Je suis trop impatiente de te rencontrer. Mm-hmm. Bien sûr. Excusez-moi, madame. Amaka. Qu'est-ce que tu fais? Tu portes sur toi? Qui t'a donné? Voyons, ces deux vêtements. Hé, hey, Amaka, qui t'a donné ces sandales? Dans ma maison. Essaies-tu de séduire mon mari? Non, madame. Non. Allez, entre là-dedans. Et rassure-toi de mettre quelque chose de plus approprié. Sinon, je vais t'en coller une. N'importe quoi. Peux-tu imaginer? Ah ah! Allô? Ah! Désolée pour ça. Ce n'est pas cette inutile ménagère que j'ai dans cette maison. Fallait voir ce qu'elle a porté. Genre sous mon nez. Elle était... Seigneur! Elle veut séduire mon mari? Elle portait quelque chose de très près du corps. En tout cas, revenons à nos moutons, tu disais. Moussa. Hey, Amaka, ma chérie. Je vais bien, non? Je vais bien. Voilà ton repas. Hein? Ah, merci vraiment beaucoup. Hein? Wallahi, Amaka, la façon que tu prépares me plaît beaucoup. Exactement comme moi. Parce que moi, je suis un grand cuisinier. Merci. Assure-toi, quand tu auras fini de manger, de ramener le plat à la grande maison. Hein? Ce n'est pas un problème. Je vais venir avec ça. Ok, merci beaucoup. Hein? Tu t'en vas déjà? Mais oui, non. Amaka, je te jure, il y a ces Nigériens... Ce musicien nigérien qui chante, il dit que les Amaka ne déçoivent jamais. Et quand je te vois, je suis sûr que tu ne vas pas me décevoir, Amaka. Bien, bien, bien. Il faut que je commence à manger. Je suis actuellement avec Oné. Nous devions aller quelque part, mais je dois l'annuler. Ma femme doit toujours être ma priorité. Ouais. D'accord. Je serai là bientôt. Je t'aime. Je t'envie, tu sais. Mais t'es amoureux. Je t'envie. Qu'est-ce qui t'empêche de l'être? Évidemment que c'est toi. Toi, bien sûr. Tu as refusé de me présenter à l'ami de ta femme. Moi? Te présenter à la meilleure amie de ma femme? Toi, Kunle, le donjon. Impossible. Allez, s'il te plaît. J'aime vraiment cette fille. Oui, bien sûr, je l'aime vraiment du plus profond de mon cœur. Kunle, tu sais quoi? Si tu l'aimes vraiment et que tu voudrais commencer quelque chose de sérieux avec elle, tu dois lui parler toi-même. Oui. Eh bien, ça va, c'est bon. En attendant, je dois partir. J'aime pas faire attendre ma femme. Ok, donc on se revoit plus tard alors. Ouais. Ok, à plus tard. Messieurs. Oh, hey, Amaka. Messieurs. Oh, Amaka. Messieurs. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Souffle, messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Souffle, messieurs. Je vous... Désolé. Souffle, messieurs. Calme-toi. Souffle, messieurs.
Ça va? Calme-toi, désolé. Calme-toi, souffle, non, désolé. Souffle, monsieur. C'est bon, c'est parti. Souffle. Aïe. Maintenant, dansez ce que vous faites tous les deux dans ma maison. Non, madame. Amaka. Madame. Donc, tu as commencé à coucher avec mon gardien? Non, madame. Il y a un truc dans mon œil. Donc, je suis aveugle. Je ne vous ai pas vu vous embrasser. Non. Wallahi, non, madame. Non. Je n'ai rien fait, madame. Wallahi, madame, je n'ai pas embrassé Amaka, non. J'étais dans mon poste quand j'ai entendu Amaka crier « Moussa, viens, quelque chose est entré dans mon œil. » C'est tout ce que je suis venu faire, Wallahi. Moussa, hein? Donc tu as commencé à mentir. Je ne mens pas, madame. Tu l'as rejoint dans ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème, vous croyez que je suis aveugle. Quand mon mari sera de retour du travail, tous les deux, vous aurez des ennuis, pas de problème. Madame, dégagez. Madame, Wallahi, je n'ai jamais embrassé Amaka. C'est elle qui a dit que quelque chose est entré dans son œil. Dégage d'ici et retourne à ton poste. Madame, Wallahi, Allah, je n'ai rien fait. Allah. N'importe quoi. Je n'ai rien fait, moi. Je n'ai rien fait, Wallahi. Il y a quelque chose à mon œil. Que je fasse quoi? Madame. Tant quoi? Approche. N'importe quoi. Désolé pour le retard. Pardon? Je suis censée rencontrer un certain monsieur Hampton. Je suis monsieur Hampton. Non, tu es Kunle et non monsieur Hampton. Je suis en effet monsieur Kunle Brody Hampton. Vraiment? Oui. Nous avons des choses plus urgentes dont on devrait discuter. Ok. Je suis tout ouïe. Bébé. Oh non. Ça fait longtemps. Comment tu vas, mon amour? Oh, ma chérie. Bien. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Très, très longtemps, ma chérie. Quoi de neuf à l'heure, mon bébé? Ouais. Oh là là, mon bébé. Tu es très belle. Je vis bien, ouais. Ouais, bébé. Oh, on s'amuse bien ensemble, mon cœur. Ouais. Mais qui nous dérange là? Président! Boma? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fous dans la voiture de Bobby? Ino? C'est comment mon gars? Ça fait un bail. Président, ce n'est pas le moment de plaisanter. Comment est-ce que tu connais ma copine? Hein? Oh, Rimotoku! Ta copine? Ou ta mère? Lequel des deux? Mais mec, c'est ma meuf là! Boma, qu'est-ce que tu fais avec Bobby? Tu me regardes comme un fou. Chérie, mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, rien. Oh. Tu te rappelles de mon ex dont je t'ai parlé? Lui et moi n'avons plus rien ensemble. Donc c'est ton ex? Que ton ex te frappe. Allez, Oh mon gars, mon ami, attends d'abord. Comme tu peux le constater, ma copine dit que votre relation est terminée depuis longtemps. Qu'il n'y a plus rien entre vous deux. Donc, comme tu peux le constater, je ne suis pas du même. Prési, tu es le président. Mais cette histoire, tu peux me croire, je vais pas laisser tomber. Prési, ça va pas se passer comme ça. Attends, s'il te plaît. Innocent. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît, recule un peu, nous sommes très occupés en ce moment. Prési, écoute, tu es le président, d'accord, mais cette histoire ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas. Ah. S'il te plaît, bébé, ne gère plus ce gars. Quoi? Arrête ça. Innocent, c'est parfait. Tu parles quoi? Va-t'en. Prési. Va-t'en. Julie, s'il te plaît, dis à Amaka de m'apporter un verre d'eau. J'ai très soif.
Amaka, celle-là, c'est inutile, n'est pas dans les parages. Elle est au marché. Pourquoi est-ce que tu la traites d'inutile? Je trouve que cette fille a l'air plutôt décente et responsable. Et dis, cela prouve que tu ne la connais même pas. Vraiment? Sais-tu que... que j'ai attrapé Amaka en train d'embrasser le gardien. Non, ce n'est pas vrai. Si. Je les ai vus tous les deux s'embrasser derrière la maison. Ce n'est pas croyable. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Que cette fille ne gâche pas ma journée. Raconte alors. Raconte ce qui s'est passé dans le bureau de Kunle. Ne sois pas une mauvaise hôte. Va d'abord me chercher de l'eau à boire. Ensuite, je te raconterai tout ce que tu as besoin de savoir. Ok, 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 je t'apporte de l'eau. Je te reviens. Prépare-toi parce que tu vas tout me raconter. T'inquiète pas, tu es trop impatiente. Oui, tu vas tout me raconter. Kunle est un homme bien. Pourquoi ne lui donnes-tu pas une chance? Non, merci. Je ne suis pas intéressée. Ok. Si tu le dis, mais je... Désolée. Salut, Lima. Que devrait-il se passer? Ah, ok, je vais le faire tout de suite. Bye. Toi et cette Lima, je me demande bien ce qu'elle veut te dire cette fois-ci. Eh bien, je n'en ai aucune idée, mais voyons voir. Elle m'a demandé d'aller D'accord. dans ma messagerie, donc voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Lima est trop drôle. Comment peut-elle... Ah bon? Comment peut-elle me demander si j'aime cette greffe? C'est magnifique. Vraiment? Bien sûr, je l'adore. Fais-moi voir. Waouh. C'est très joli. Je t'assure, je suis certaine qu'elle veut me l'offrir. Laisse-moi lui donner un coup de pouce. Vraiment? Ok. Officier, garde à vous. Bienvenue, monsieur. Officier, bienvenue, monsieur. Bienvenue, Oga. Ah, Moussa, comment tu vas? Je vais bien, mais pas totalement bien, Oga. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Patron? Patron, c'est madame, non? Madame a dit qu'elle allait me dénoncer chez vous. Et vous allez me renvoyer. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Ah, wallahi, Oga, moi je n'ai rien fait du tout. Vrai, vrai. C'est Amaka. L'autre jour, Amaka m'appelle. Moussa, viens, viens, viens. Quelque chose est entré dans mon œil. Aide-moi à le faire sortir. Vous comprenez? C'est comme ça que, gentil comme je suis allé l'aider. Pendant que je l'aidais, madame est arrivée. Madame est arrivée et a commencé à insinuer que Moussa et Amaka, vous faites le haka-haka. Haka-haka, c'est quoi ça? Hein, patron? Haka-haka, c'est haka-haka-haka. Patron, comme je disais, je n'ai jamais rien fait. Wallahi, hala, vous comprenez? Moussa? Patron? Je crois que c'est un malentendu. Je sais ce que tu es capable de faire. Je sais également ce qu'Amaka peut faire. Ok? Merci, patron. Wallahi, patron, c'est Allah qui va vous bénir. Hein? C'est bon. Y a-t-il autre chose? Patron, Oga, vous savez, quand cette histoire s'est passée le matin, wallahi, Oga, je me suis senti mal. J'ai même failli avoir l'hypertension. Allah, vous voyez, Oga, actuellement, j'ai besoin d'un truc pour me calmer. C'est d'accord. Oga. Oga, vous ne me donnez pas quelque chose pour que j'aille un peu me rafraîchir. Hein? C'est Oga. Oga! Oga! Ah ah, chérie. Ouais. Tu es rentré tôt. Bienvenue. J'ai eu moins de travail au bureau aujourd'hui, donc j'ai profité pour venir voir mon bébé. C'est vraiment flatteur de ta part. Sois le bienvenu. Amaka, comment tu vas? Qu'est-ce que tu salues? Pourquoi tu salues?
Ne vois-tu pas que je parle à mon mari? Pourquoi est-ce que tu cries? Bébé, pourquoi ne crierais-je pas? Pourquoi ne crierais-je pas? Est-ce que tu sais même ce que cette stupide fille a fait aujourd'hui? Je l'ai vue en train de... s'embrasser avec le portier. Comment le sais-tu? Le portier m'a absolument tout raconté. En effet, ce que tu as vu n'est pas ce qui semble être. Ok? Et ces deux personnes ont toujours travaillé pour moi avant que nous ne soyons mariés. Et je sais de quoi ils sont capables. Et d'ailleurs, même si tu les voyais en train de s'embrasser, qu'y a-t-il de mal en ça? Bien sûr, ils sont deux adultes consentants. Chérie, donc c'est tout ce que tu trouves à dire? Donc, tu préfères croire un simple gardien au lieu de ta propre femme? Vraiment? C'est compris. Pas de problème. Je peux constater que cette chose ici, t'a ensorcelé. Ok, pas de problème. Ok, ça va. Donc, ce Bobby est un anarcheur comme ça? Aïe! Kai! Boma, tu souffres vraiment. Donc, c'est moi que ce mec a utilisé gratuitement, m'a prêté de l'argent et a disparu. Aïe, Kai. Aïe, Boma. Et il m'a fait rompre avec mon petit ami. Aïe. Je vais l'attraper un jour. Je sais, je vais l'attraper un jour. Je vais l'attraper. Mais pas de problème. Innocence est un petit défi. C'est mon jouet. Je sais comment le récupérer. Je vais le récupérer. Aïe. Boma. Boma. Aïe. Hey, Amaka, réveille-toi. Tu ne peux pas dormir ici, voyons. Va dans ta chambre. Ah. Chérie. Quoi? S'il te plaît, bébé, remontons à l'étage. Une vraie sauvage. Je sais que ton plan, c'est que je n'aille pas travailler aujourd'hui. Alors, nous allons continuer quand je vais rentrer, d'accord? Ok. D'accord, chérie. Ok, bébé. Amaka? Monsieur. Amaka? Bonjour, monsieur. Ok, voici ton argent. Ok, voici ton argent de poche. Merci, monsieur. Monsieur, votre petit déjeuner après. Non, ça ira. Ok, monsieur. Ok, passe une d'accord. bonne journée, mon on se voit chéri. Plus tard. D'accord, chérie. Que Dieu te protège. Merci. Ok, bye. Amaka, viens là. Viens là. Où est l'argent que mon mari t'a donné? Où est l'argent que mon mari t'a donné? Je parle anglais?
Donne-moi ça. Je ne sais pas pourquoi il te donne. Pourquoi il te donne l'argent de poche? Ce n'est pas comme si tu ne prenais pas ton salaire chaque mois. Chaque fin de mois. Parfois même avant le 31, il t'a déjà payé. Et tu... Est-ce que tu vas disparaître de là? Dégage! Salut, chérie. Oui, ma chérie. Ah, tu as l'air tout excitée ce matin. Tout à fait, je suis contente aujourd'hui. Tu sais, mon amie Lima, eh bien, elle vient au Nigeria aujourd'hui. Oh, vraiment? Et comment est-ce que tu penses que cette information va me faire me sentir? Jalouse, bien sûr. Oh, allons, mon amie, ne sois pas comme ça. La raison pour laquelle je t'appelle, c'est que je voudrais que nous allions lui rendre visite à son hôtel aussitôt qu'elle sera là. J'ai l'impression que cette Lima, comme tu l'appelles, est en train de venir t'éloigner de moi. Non, non, non. Je ne veux pas la rencontrer. Tu es sérieuse, là? Non, je veux vraiment que tu viennes. Hé! Hey! Hé, hey, Amaka! Hé! Hey! Qu'est-ce qu'elle a encore cassé? S'il te plaît, je vais y aller. Ok. Bye. Madame... Madame, non, madame, je suis désolée, c'est une erreur. Amaka! Madame! Ce sont mes assiettes? Madame, je suis désolée. Tu as encore cassé mes assiettes? C'était une erreur, je suis désolée, madame. Est-ce que tu vas me fermer, ta sale gueule? Amaka, ces couverts, étaient au nombre de 10. Lorsque mon mari les a ramenés des États-Unis. Tu as fini de tous les briser. Tu les as déjà tous brisés un par un. Et je sais que tu le fais intentionnellement. Sorcière, une sorcière, c'est ce que tu es. Courte sorcière, c'est pour ça que tes cheveux commencent jusqu'ici. Jusqu'ici, et commencent jusqu'ici. Sorcière, sorcière. Sorcière, sorcière. Essaie encore, essaie encore. Espèce de sorcière. Bonjour, monsieur. Monsieur Kati, j'ai bien peur que vous partez pour Abuja dans les deux prochaines heures. Miss Joy est arrivée au pays la nuit dernière. Et nous avons fixé un rendez-vous avec elle de 20h à 21h afin de lui présenter notre projet. Ok, monsieur, je veillerai à faire tout ce qui est nécessaire. S'il vous plaît, vous devez tout donner et rassurez-vous de la convaincre assez pour qu'elle approuve notre proposition. D'accord, monsieur. Merci. C'est moi. Ah ah, oh, c'est étrange. Chérie? Ouais. Tu es rentré tôt? Je dois voyager pour Abuja immédiatement. Pourquoi? Mon boss veut que je rencontre immédiatement la chinoise dont je t'ai parlé la dernière fois pour le travail. Dois-tu y aller immédiatement? Ben, c'est la nature du travail. En passant, tu es resplendissante. Merci chérie. Tu connais mon amie Lima? Oui, elle vient d'arriver au pays. Et tu sais, je dois donner une très bonne impression. C'est d'accord. Je dois y aller maintenant. Tu fais mon sac? Ok, je t'aide avec ça. D'accord, chérie. Oh, j'espère que tu t'amuses bien. Oui, bien sûr. Je peux le voir.
Tu es resplendissante. Amuse-toi bien. Ouais. Mangeons de la bonne nourriture nigériane. Sexy. Oui, je pense qu'il l'est. Ah, Junior. Oui, maman? Va dans la chambre, ok? Ok. Je t'aime. Je pense qu'il te guette. J'ai remarqué. Vas-y. Tu l'attires. Je suis mariée. Et quel est le problème? Non, je ne pourrai jamais tromper mon mari. Et j'espère que ton mari ne te trompe pas non plus. Non, non, pas moi. Je suis une femme mariée au cas où tu l'aurais oublié. Il est beau. Ah. Allez chérie, ça n'a pas d'importance. Si, si, ça m'importe. Je ne vais jamais, jamais tromper mon mari. Jamais. On the beach. La voilà elle-même. Oh, c'était Lucie. Oui, madame. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Amaka. Je suis de Mimi Fashion Global World. Et, madame, j'ai un colis pour vous. Un colis? Oui, madame. De qui? Madame, le nom de la personne est dans le colis. D'accord. Madame, veuillez signer ici. Merci. Ok. Merci, madame. D'accord. Est vraiment très jolie. Tu sais, Conley a vraiment l'œil pour les bonnes choses. Oui, tu as raison. La robe est magnifique. Mais je n'en ai pas besoin. Et je n'irai pas non plus à ce rendez-vous. Angela, allez. Tu dois un tout petit peu baisser la garde. Ton ex t'a blessée. Oui. Mais cela ne veut pas dire que tous les hommes sont pareils. Écoute, Conley est une bonne personne. D'ailleurs, je le connais très bien puisqu'il est le meilleur ami de mon mari. Et je peux te dire à haute voix qu'il n'est pas comme tous les autres hommes là-dehors. Si Conley est aussi fantastique que tu le décris, alors pourquoi est-il toujours célibataire? Parce qu'il n'a pas été chanceux en amour. Son cas est similaire au tien. Il n'a pas eu l'opportunité de rencontrer une femme qu'il aime sincèrement. Vraiment, je pense que tu devrais lui donner une chance. On ne sait jamais, il pourrait bien être l'homme parfait que tu attends depuis. Oui. Tu en es sûre? Madame, votre sauce piquante est prête. Je peux vous servir? Ne sers pas. Verse-la dans la poubelle et tiens. Dégage d'ici, fille stupide. Allez, Julie, tu as été très dure. Angela, s'il te plaît, je ne suis pas prête pour ton serment. Je ne suis pas de bonne humeur. Tu devrais. Tu iras à ce rendez-vous. Prends ça. Non, ok, non. Si. Je n'y vais pas. Même si je dois te forcer.
Johnny? Hey, Johnny! Hey, Johnny! Johnny, pourquoi tu prétends ne pas me connaître? Hein? Désolé, je ne m'appelle pas Johnny. Hey, ne te fâche pas, hein? Pourquoi tu ressembles à Johnny comme ça, non? Hein? Je suis désolé, je ne suis pas Johnny. Veuillez m'excuser. Regardez ça. Hi. Hi. Ce garde qu'il n'est pas Johnny. Ha! Il n'est même pas Johnny. Il ne s'est même pas rendu compte que j'ai volé son portefeuille. Hi. Mougou. Mougou. Mougou national. Hi. C'est quoi? Où est mon argent? Je ne trouve pas mon portefeuille. Que s'est-il passé? Tu es venu avec ton portefeuille. Donne-moi mon argent. Honnêtement, je pensais être venu avec mon portefeuille en sortant de chez moi. Regardez, il est sérieux. Oga, donne-moi mon argent. C'est quoi cette histoire que tu ne retrouves pas ton portefeuille? C'est quoi ce langage que tu veux me parler là? Mais j'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Oui. Oga, pardon, remets-moi mon argent, pardon. Je suis sûr. Cette fille. C'est cette fille qui me l'a dérobé. Quelle fille? Oh mon Dieu. Quelle fille? Oh mon Dieu. C'est moi que tu es venu escroquer sous ce soleil ardent. C'est moi que tu es venu escroquer. Attendez. Donne-moi mon argent. Mais attendez, voyons. Tu ne me donnes pas mon argent. Attendez. Oga, donne-moi mon argent. Je ne veux rien entendre. Donne-moi mon argent. 500 000 naira seulement. Donne-moi mon argent. Si tu ne me donnes pas mon argent, je ne te remets pas ce téléphone. Homme stupide. Tu es sous ce soleil ardent pour venir m'escroquer. Donc cette fille m'appelait Johnny, me faisant passer pour Johnny. Pourtant, elle voulait me piquer mon portefeuille. Bienvenue, madame. Madame. Tout va bien. Madame. Ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ne me touche pas. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Laisse-moi tranquille. Que fais-tu dans ma maison? Que fais-tu? Ne t'ai-je pas demandé de partir d'ici? Ne t'ai-je pas demandé de partir? Ne t'ai-je pas dit de foutre le camp? Sors de ma maison. Madame. Sors de ma maison. Dehors. Sors de ma maison. Sors de ma porte. Tu veux te battre avec moi? Non, madame. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Sors de. Madame, désolée. Sors. Sors de ma maison. Sors d'ici. Sors. Désolée. Sors de ma maison. Désolée, madame. Sors d'ici. Sors de ma maison. Attends, madame. Sors. N'importe quoi. Sors de ma maison. Madame. Bêtise. Pars de chez moi. Et rassure-toi de la mettre dehors. N'importe quoi.
ma cliente. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi c'est... Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne te souviens pas de moi? C'est moi qui t'ai transporté pour JRE. Récemment, j'étais transporté pour 500 francs pour JRE. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Je n'ai nulle part où aller. Ah, que s'est-il passé? Où est-ce que tu habitais avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai nulle part où aller. Ma patronne m'a mis hors de sa maison. Wow. Ta patronne t'a mise à la porte en pleine nuit? Ah, en pleine nuit alors que la ville est pleine de malfrats? Mais n'est pas du tout gentille, ta patronne. Comment peut-elle te faire partir de sa maison à 7h où la ville, à 1h où la ville est dangereuse? Mais non! C'est bon, arrête de pleurer, s'il te plaît, ok? Je vais t'amener chez moi pour que tu puisses passer. Non, ne m'amène nulle part. Je vais aller à l'église. À l'église? Oui, s'il te plaît. Pourquoi tu te laisseras rentrer dans son église? C'est des gens qui penseront que tu es folle. Ils penseront que tu es folle, ils ne te laisseront pas entrer. Non. Écoute, ne t'en fais pas, ok? Je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne vais rien te faire. Je ne te ferai pas de mal. Que Dieu me punisse. Si jamais je fais du mal, alors que Dieu me punisse. Ne t'inquiète pas, viens, allonge chez moi. Pour que tu te reposes. Comme ça, demain matin, tu trouveras un endroit où tu pourras partir. Tu comprends, s'il te plaît? Non, j'y vais à l'église. Tu comprends? Je te ferai absolument aucun mal. Je te ferai aucun mal. Je ne vais pas te toucher. Ok, écoute, tu resteras seule à la maison. Moi, je vais sortir. J'irai quelque part pour passer la nuit. Tu resteras seule à la maison. Ça te va? Viens, on y va. Courage. Aïe! Ta patronne est méchante. Elle a tout le courage de mettre une petite fille comme toi dehors. Cette fille, qu'elle m'apporte un verre d'eau. Amaka? Amaka? Ah! Mais où est cette stupide fille? Amaka! Peux-tu imaginer? Oh mon Dieu! Où est mon téléphone? Mais où est mon téléphone? Je ne sais pas où elle est passée, cette fille. Hey! Mon mari m'a appelée. Hey! Aïe! Hey. 21 appels en absence. Hey! Oh mon Dieu! Salut, chérie. Salut. Chérie, je suis désolée, j'ai manqué tes appels. Bébé, je suis désolée. C'est juste que hier soir, je suis sortie. Je suis sortie avec Lima et je crois que j'ai beaucoup bu. Et quand je suis arrivée à la maison, je me suis juste endormie. Chérie, je suis tellement désolée. Désolée. Oh, parlant d'Amaka, je l'ai appelée, mais je ne sais pas où cette fille stupide est encore allée. Mais de toute façon, je vais gérer ça plus tard. Alors bébé, dis-moi, comment est-ce que tout se passe là-bas?
D'accord, mon amour. Je t'aime. D'accord, bye. Moussa! Moussa! Oui, madame! Madame! Est-ce que tu dormais? Madame! Moussa, où est Amaka? Hein? Moussa, où est Amaka? Hein? Madame, wallahi, quand vous êtes rentrée ici hier soir, madame, vous réagissiez bizarrement comme si vous aviez perdu la tête. C'est comme ça que vous m'avez demandé de mettre Amaka à la porte. Si je ne l'avais pas fait, vous m'auriez sûrement renvoyé aussi. Heureusement, c'est Allah qui m'a sauvé. Allah. Où? Où est-elle allée? Mais où est-elle allée? Je ne la trouve nulle part. Allah, Amaka est partie. Tu veux dire que j'ai renvoyé Amaka hier soir? Comment? Bonjour. Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu étais sorti hier soir. En fait, je suis sorti très tôt, à 5 heures. J'avais des passagers qu'il fallait que je dépose très tôt au marché. Donc voilà, c'est eux que je suis allé déposer au marché. Ce n'est pas trop tôt? Non. C'est pas trop tôt pour se faire de l'argent. J'ai remarqué que tu mets de l'ordre dans la maison. Ok, dès que tu auras terminé, nous irons manger quelque part. Car je ne cuisine pas. Ok, merci. Ok, là je vais sortir laver la voiture. D'accord. Et plus tard, je verrai comment t'acheter quelques... Je verrai dans quelle mesure t'acheter quelques vêtements de rechange. Merci. Merci vraiment beaucoup. Tu sais, en réalité, je suis très jalouse de ton amitié avec cette Lima. Tu refuses toujours quand je te propose de sortir pour aller boire un verre. Mais là, tu es quand même sortie avec quelqu'un que tu connais à peine. En plus, tu t'es saoulée la gueule. Angela, je suis même surprise d'avoir autant bu. Tu me connais. Tu sais que je ne bois pas beaucoup. Eh bien, je sais que tu ne bois pas beaucoup. Mais peut-être sur le coup de l'excitation, tu as bu plus qu'il n'en fallait. Peu importe, c'était une parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à propos d'Amaka? Nous devons aller là dehors, la chercher et la ramener. Chercher qui? Amaka, bien sûr. Où ça? Écoute, je ne me rappelle pas l'avoir chassée. Elle est partie d'elle-même. Oui, mais ton gardien a affirmé que tu l'as effectivement mise dehors. Julie, tu sais à quel point c'est dangereux là dehors. Nous devons vraiment aller chercher cette fille et la ramener. Angela, comme je l'ai dit avant, je m'en fiche complètement d'elle. Je m'en fiche qu'elle soit morte ou vivante. Très bientôt, tu vas t'en faire pour elle, parce que vous êtes ses tuteurs. Si quelque chose lui arrive, la police viendra vous arrêter. Qui est-ce qui peut bien m'envoyer des messages? Julie? Qu'est-ce que c'est? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Qu'est-ce qu'il y a? Attends un instant. Julie? Que lui arrive-t-il? Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce message? Julie? Julie? Julie, attends, Julie! Lima! Lima, je suis finie! Que s'est-il passé? Je veux dire,
Tu ne m'as pas dit que tu y étais retournée et que vous avez passé quelques moments ensemble. Je ne me rappelle pas avoir passé ne serait-ce qu'une minute sans parler de passer du temps avec ce gars. Attends, Julie. Avec ce que tu m'as dit et ce que montrent les photos, tu ne peux pas me dire que rien ne s'est passé. Alors dis-moi la vérité, comme ça je saurai comment t'aider. Afin que si ce gars t'appelle pour te menacer ou te faire du chantage, que je sache comment m'y prendre. Je dis la stricte vérité. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans ce lit avec ce gars. Hey! Je suis finie. C'est mon mari. S'il voit ces photos, il va me jeter hors de la maison. Ne t'inquiète pas, Julie. Il ne les verra pas. Tu sais quoi? Donne-moi juste le numéro de la personne qui t'a appelé afin que je l'appelle pour voir comment négocier et tout le reste. J'ai appelé ce numéro. J'ai appelé encore et encore. Mais c'est toujours ce répondeur. Ne t'inquiète pas. Donne-moi juste le numéro et je vais essayer. Peut-être qu'il faut essayer de leur parler et savoir ce qu'ils veulent. Et s'il y a quelque chose à négocier, qu'on le fasse. 6-0-0. Innocent, quoi? Où vas-tu comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est chez toi que je venais, non? Chez qui est-ce que tu es allé? Tu venais chez moi? Hein? Pour faire quoi? Ah, Innocent, donc je ne peux plus venir chez mon petit ami? Mais je viens te voir, non? Qui est ton petit ami? Toi, non? Attends, n'est-ce pas c'est toi qui as rompu et tu as dit que tu n'étais plus intéressé? Innocent, tu parles de ce qui s'est passé l'autre jour? Hein? Tu sais que je blaguais, non? Tu me connais? C'est une blague, hein? Je te vois avec un autre homme. Et tu décides de rompre avec moi. Et maintenant, tu me dis que tu blaguais. Écoute, laisse-moi te dire, moi également, je suis fatigué. Je suis fatigué de tes histoires. Je suis vraiment fatigué. Donc moi également, je veux plus de cette relation. Tu me comprends? Je ne suis plus intéressé. Hein? Allez, ne t'inquiète pas, hein? Je sais comment guérir ta folie. T'inquiète pas, ce soir, je viendrai te montrer de nouvelles touches. C'est toi qui es folle. Tu es folle. Écoute, s'il y a la folie dans ta famille, dans la mienne, il n'y en a pas. Écoute, laisse-moi te dire, je te préviens, je ne veux pas avoir tes pieds de moustique chez moi. Je ne veux pas les voir devant ma porte. Si jamais tu tentes de ramener tes pattes de moustique chez moi, tu auras ce que tu cherches. Je viendrai cette nuit. Tu viendras. Faut venir. Où est-ce que tu vas, non? Je vois tes pattes chez moi. Je te suis. Partout où tu iras, je te suivrai. Tu me suis, hein? Je retourne où j'étais. Tu me suis pour qu'on aille où? Il semble que tu t'es égaré. Je ne suis pas ta boussole. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Ce soir, je viendrai pour toi. Oui, ça va. Je viens pour toi. Je veux pas te voir chez moi. Je vais venir. Allô? Oui, allô. J'imagine que vous avez vu les photos que je vous ai envoyées. S'il vous plaît, que voulez-vous? Dites-moi quelle somme, quel prix, et je vous promets de vous trouver cet argent. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, n'envoyez pas ces photos à mon mari. Pitié, s'il vous plaît, je vous en supplie. Donnez-moi la somme de 50 000 naira et n'essayez pas de contacter la police. Parce que mon partenaire a également des copies de ces photos. Essayez de jouer à la maligne. Ils enverront toutes ces photos à votre mari. Je vous attendrai au 16 Naira Town. Ok. J'y serai. Que voulez-vous de moi? Je vous en prie. Mais je ne vous connais même pas. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans votre...
dans votre lit, je ne m'en souviens pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis une femme mariée, une femme heureuse dans son foyer. S'il vous plaît, je vous en prie. Je ne veux pas que mon mari voie ces photos. Cela brisera mon mariage. Je vous en prie pour l'amour de Dieu. Taisez-vous. La ferme. Tu dois savoir. Je suis la seule personne qui parle ici. Pendant que toi, tu m'écoutes. Je ne mords pas. Relax. Ok, d'accord. Tu as demandé ce que je veux, n'est-ce pas? Eh bien, je sais que tu pourrais penser que je fais tout ceci pour l'argent. Au départ, j'avoue que c'était ça. Mais j'avoue que tu me plais bien. Et je voudrais que tu sois ma maîtresse. Mais je suis une femme mariée. Je m'en fous. Et je m'en tape. Si tu veux savoir la vérité, quelqu'un m'a payé pour détruire ton mariage. J'aurais bien pu le faire, mais j'ai refusé. Mais alors, si tu refuses d'être ma maîtresse, je serai obligée de montrer ces photos à ton mari. Non. Et tu connais ce qui se passera si je le faisais. Donc, à toi de faire le choix. S'il vous plaît. Mais je sais que tu ne veux pas de ça. Je vous en prie. S'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, je vous en supplie. Allez, sors. Dehors! Écoute, Julie, tu dois juste te calmer, ok? Je suis certaine que nous allons trouver une solution à ce problème. Quelle route? Quelle route? Ce gars a dit qu'il ne veut pas de l'argent. Il dit qu'il me veut moins. Lis-moi comment? Je suis une femme mariée, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Calme-toi. Ok, ok, tu sais quoi? Je veux que tu flirtes un peu avec lui. Comme ça, nous pourrons avoir des informations et les donner à la police. Oui. Et aussi récupérer les photos qu'il a chez lui. Celles qu'il a. Il m'a menacée de... Que si je faisais une chose stupide, il enverrait les photos et les vidéos à mon mari. Emma, je suis finie. Je suis finie. Calme-toi, ça va aller. Julie, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai fait que t'appeler depuis que tu m'as laissé ce matin, mais tu ne prends pas mes appels. Tu as pleuré? Julie, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Salut, je suis Lima. Oh, moi c'est Angela. Ravie de te rencontrer enfin. Julie, s'il te plaît, est-ce que tu sais ce qui se passe? Tu as une idée de pourquoi elle pleure? Elle est dans cet état depuis que je suis arrivée. Elle n'a dit aucun mot. Oh. Ça veut dire que je dois appeler son mari pour le mettre au courant de cette situation? Non, s'il vous plaît. Que personne n'appelle mon mari. Pourquoi? Je ne veux pas le déranger au travail. Ça va le distraire. Mais ne t'inquiète pas. Ça va aller. Julie, tu sais bien que tu peux me parler. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous me laisser un peu de temps? J'ai besoin d'être seule. Ok. Julie, s'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Prends soin de toi, d'accord? Je voulais vraiment te remercier pour m'avoir laissé rester chez toi. S'il te plaît, sois patient. Je partirai lorsque mon oncle rentrera de son voyage. Ah. Mais pourquoi?
Pourquoi veux-tu partir? Est-ce que je t'ai chassé? Dis-moi ce que je t'ai fait de mal. Mais non, pourquoi veux-tu t'en aller? Amaka, je suis tombé amoureux de toi. Je t'ai entendu parler. Je t'ai observé, je suis tombé amoureux de toi. Pourquoi veux-tu t'en aller? Et même si ton oncle était de retour, pourquoi veux-tu t'en aller? Tu peux rester ici, je peux essayer de prendre soin de toi. Du mieux que je peux. Pourquoi veux-tu me laisser seul? Hein? Ok, même une belle fille comme toi, comme tu es belle comme tu l'es, tu n'es pas censé faire la fille de ménage chez quelqu'un d'autre comme tu le fais. Allez, tu n'es pas censé faire ça. Tu es censé être à l'école, ou encore être censé quelque part en train d'apprendre de l'artisanat. Tu devais être en train d'apprendre un métier. Tu devais être quelque part en train d'apprendre un métier qui pourrait te permettre d'avoir ton pain quotidien, tu vois? J'aurais aimé repartir à l'école, mais je n'ai personne pour financer mes études. Ah! Tu veux retourner à l'école? Oui. Tu veux vraiment retourner à l'école? Oui, bien sûr. Pourquoi ne m'avoir pas dit plus tôt? Écoute, je vais me rassurer. Je vais me rassurer que tu retournes à l'école comme tu viens de me le dire. Même s'il faudrait que je sorte de cette maison à 5h du matin, que je rentre le soir à 17h, ou même que je rentre le lendemain, je le ferai. C'est compris? D'accord. S'il te plaît, je t'en supplie, ne me laisse pas. Mm-hmm. Ok, merci. Ça va s'arranger, ok? Mm-hmm. Ino! Innocent! Innocent! Qui est là? Qui est là? Innocent! Ah, Ino? Boma! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu cherches ici? Ah, quel est ce genre de question? Pourquoi tu me demandes ce genre de choses? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu regardes? Boma! Hein? Ouvre la porte. C'est quoi ton problème? N'est-ce pas toi qui as rompu avec moi? C'est bien toi qui as décidé de rompre avec moi. Alors s'il te plaît, va-t'en. Innocent. Innocent. Donc tu ramènes encore ce qui s'est passé l'autre jour? Ha. Donc tu m'en veux encore? Innocent, je t'ai dit que c'était une blague. Je ne le pensais pas. Tu blaguais? Oui. Ok, attends. Donc, après tout ce que je t'ai vu faire dans cette voiture, après tout ça, tu t'attends à ce que je t'ouvre mon cœur pour t'accueillir à nouveau. Innocent n'est pas comme Innocent. Tu crois. Boma. Innocent, ouvre la porte que j'entre. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Ouvre cette porte que j'entre. Boma, je t'en supplie de partir. Innocent, ne me tente pas les maux de tête. Tu sais que ma folie peut commencer à tout moment. Boma. Ne me tente pas. Ouvre cette porte. Boma, s'il te plaît, va-t'en. Innocent, ouvre cette porte. Innocent, Boma, s'il te plaît, dégage va-t'en. De mon chemin. Tu sais de quoi je suis capable. Innocent, dégage de mon chemin. Dégage de mon chemin. Dégage de mon chemin, non? Lâche-moi. Dégage d'ici. Innocent. Innocent! Innocent, ouvre cette porte! Que Dieu te punisse! Innocent! Que Dieu te punisse! Que Dieu te punisse! Qu'il te punisse aussi! Que Dieu te punisse! Aussi. Ouvre cette porte! Vas-y, ouvre! Innocent! Innocent! Ouvre cette porte! Ouvre! Innocent, tu me connais, oh! Tu me connais, oh! Tu me connais! Innocent! Oui, d'accord. On verra. Prends soin de toi, je vais voir ce que fabrique le mécanicien. Ok, bye. À tout à l'heure. Reviens vite, s'il te plaît. D'accord. Je suis parti. Ok, bye. Bye-bye.
Bonjour, que puis-je faire pour vous? Donc, c'est toi le petit rat qui fait en sorte qu'Innocent me traite n'importe comment? Hein? S'il te plaît, qui es-tu et que fais-tu chez mon gars? La maison de ton gars? Oui, non? On ne t'a pas dit qu'il a une copine? Oh, je vois, tu es Bouma, n'est-ce pas? Waouh, bien. Innocent m'a dit que tu l'as quitté. Pourquoi viens-tu créer une scène? Hi! Moi, Bouma, je crée une scène. C'est à moi que tu parles le français? Nye, nye, nye. C'est à moi? Écoute, si tu sais ce qui est bien pour toi, rentre à l'intérieur. Ramasse tes affaires et dégage avant que je ne te casse la figure. Tu sais quoi? Je n'ai pas de temps pour des psychopathes comme toi. Vas-y, dégage. Casse-toi. Hein? Hey! Regardez ce petit Rao. C'est à moi que cette maigrichonne parle comme ça? Dégage et casse-toi. Hey! Bouma! Innocent! Innocent. Donc, c'est à cause de cette petite chose, de ce petit rat que tu m'as laissé, n'est-ce pas? Innocent, cette petite chose que j'ai vue là-bas, c'est à cause d'elle? Hein? Ça ne va pas marcher. Je préfère encore mourir que de te voir me laisser à cause de cette chose, de petit rat. Innocent, tu vas me tuer aujourd'hui. Hein? Tu vas me tuer aujourd'hui, Innocent. Tu dois me tuer aujourd'hui. Bouma. Bouma, laisse mon polo de marque. Bouma, tu sais que je ne veux pas abuser mon polo de marque, s'il te plaît. Mais madame, Bouma, que se passe-t-il, hein? Madame, si vous saviez ce qu'il m'a fait, après avoir fini de me manger, il veut m'abandonner pour une sale maigrichonne. Ha. Écoutez-moi Innocent. Ça. Innocent. Je te mangeais que tu es le barbecue. Bouma. Innocent. Bouma, laisse mon polo de marque. Madame, laisse-le. Innocent, tu dois me tuer aujourd'hui. Innocent, tu dois... Bouma. Madame, laissez-le. Tu vas me tuer aujourd'hui. Bouma, laisse mon polo de marque. Tu vas me tuer aujourd'hui. Bouma, laisse mon polo de marque. Madame, madame, il faut le laisser. Laisse-le. Toc, 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 madame! Ah ah, qui est là? Madame, madame, c'est moi. Madame, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Moussa? Bon après-midi, bonsoir, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, c'est votre frère. C'est lui qui vous cherche. Mon frère? Il est là, le voici. Salut, sœurette. Moussa. Tu peux y aller maintenant. Ok, merci, ouais. Monsieur. Ouais, wallahi. Comment as-tu su où je vis? Arrête. Ici, c'est la maison de mon mari. Arrête ça. Je m'en fiche. Je m'en fous pas mal que ce soit la maison de ton mari. Tout ce que je sais, c'est que je te désire. Arrête ça. Arrête. De toutes les façons, je ne vais pas te forcer, Lama. Parce que je tiens absolument à ce que notre première fois soit mémorable. Je n'ai pas peur de tuer ton mari, afin de t'avoir rien que pour moi. S'il te plaît, je t'en prie. S'il te plaît, ne tue pas mon mari. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît. Je t'en prie. Roxy? Angela. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je suis venu rendre visite à mon ami. Et toi, que fais-tu là? C'est la maison de ma meilleure amie. Je vois. Qui est ton ami, si je puis me permettre? Son nom, c'est Julie. Julie? Oui. Comment vous connaissez-vous? Ce n'est pas très important. Je dois y aller maintenant. J'ai quelque chose de très important à faire en ville. Je viendrai te rendre visite plus tard. Ok, si tu le dis. Bye.
Allô? Relax, j'ai toute cette affaire sous contrôle. Son mari sera de retour dans 3 jours environ. J'ai toutes les preuves. Dès qu'il arrivera à l'aéroport, je lui enverrai toutes les photos. Ce ne sera pas un problème. Mais ça coûtera plus d'argent. Dès que je reçois le transfert, je fais le travail. Ok. Julie? Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Je vais bien. Tu ne me sembles pas aller bien. Je vais bien. Si tu le dis, en passant, j'ai croisé un jeune homme là-dehors. Qui est-ce? C'est mon câbleur. Il vient juste de me mentir. Il était là pour reparler mon câble. Si elle savait qu'en réalité, je connais Roxy. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je me demande juste pourquoi tu refuses de t'ouvrir à moi. Julie, je suis ton amie. Tu devrais être capable de partager tous tes soucis avec moi. Mais je viens juste de te dire que je vais bien. Tu en es sûre? Tout va bien chez moi. Si tu le dis... Je suis affamée. Y a-t-il quelque chose à manger dans cette maison? Ah, désolée. Rien du tout. Tu devrais aller dans un fast-food. Non. Pourquoi aller dans un fast-food alors que je peux cuisiner chez toi? Il n'y a rien pour faire la cuisine. Ça veut dire que tu n'as rien mangé. Pourtant, je suis venue avec une recette. Peu importe. J'enverrai nous chercher les ingrédients. C'est bien. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Attends, est-elle toujours ta petite amie? Non. Bien sûr que non. Je te l'ai déjà dit. Je t'ai dit qu'elle a rompu avec moi. Mais elle n'est pas prête à te laisser partir. Cette fille me semble très sauvage. Je ne voudrais pas qu'elle vienne me faire du mal. Je crois que je vais commencer à voir comment m'en aller. Tu veux me laisser? Amaka, tu veux... Attends, tu veux me quitter? Pas de problème, tu veux partir, c'est ça? Pas de problème, vas-y. Je vais aussi prendre mon chemin. Il n'y a pas de problème. Non, ne fais pas ça. Donne, tu ne peux pas faire ça. Non, laisse-moi partir. Tu ne peux pas faire ça. Laisse-moi partir, laisse-moi me ôter la vie. Donne-moi. Puisque tu veux t'en aller. Je veux partir, je me tuer aussi. Oh, Maka, écoute, je t'ai dit que personne m'a touché. Personne n'a touché mon cœur comme toi, tu l'as fait. Es-tu vraiment sérieux de ce que tu dis? Oui. Je ne veux pas avoir des ennuis. Écoute, ne t'arrivera rien. Voici mon cœur, il est entre tes mains. Ce cœur entre tes mains. Honnêtement, si tu le laisses tomber, j'en mourrai. Je te l'ai dit, j'en mourrai. Écoute, tu vois cette fille? Je vais lui régler son compte. Tu peux me croire, je te fais la promesse que je vais te protéger. Cette fille, je vais lui régler son compte. Écoute, c'est parce qu'elle est costaud des potilés, alors elle pense qu'elle elle est forte. Cette fille, tu vois, elle est grosse comme ça, mais honnêtement, de l'intérieur, il n'y a rien. Rien. Ignore-la. Tout ce qu'elle sait faire, c'est de faire le tapage partout. Ah, tu comprends? Sérieux, écoute, si tu t'en vas, je vais utiliser cette corde en bas de cette table. Non, pas du tout. Seulement si tu veux me voir quand je suis dans cet état. Non. Tu me promets? Je t'en prie. Fais comme ça. Merci. Ah, allô, bébé? Bébé, je suis désolée, c'est juste que je ne me sens pas très bien. C'est pour cela que je pense que je suis un peu malade. Je pense que je dois voir un médecin. Non, bébé, je pense que c'est le paludisme. Ok. Je n'ai pas encore retrouvé Amaka, mais j'ai déposé une plainte au poste de police, donc si j'ai des nouvelles,
Je te tiendrai informé. Mm-hmm. D'accord, bébé. Je t'aime aussi. Bye. Mon mari sera de retour dans 2 jours environ. Et je n'ai fait que supplier et supplier ce gars d'accepter l'argent en échange des photos, mais il refuse. Il a dit que il ne pourra effacer les photos et les vidéos que si je couche avec lui. Pourquoi ne couches-tu pas avec ce mec afin de sauver ton mariage? J'ai peur. Et si jamais il faisait plus de vidéos quand nous serons ensemble? Je suis pas certaine qu'il fera cela. Et s'il le faisait? Il l'a déjà fait avant. Vraiment. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ça. Oh mon Dieu. J'ai juste envie de mourir. Ne dis pas ça, Julie. Le suicide n'est pas une option. Mais si tu veux vraiment mon avis, je te dirais d'aller voir ce mec. Couche avec lui si nécessaire. Chérie, utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux. Débarrasse-toi de ce problème. Peu importe ce que tu dois faire. Et si ça tourne mal? Essaye et on verra. Coucou, ma belle. Quoi de neuf? Quoi, maintenant? Non. J'ai bien peur de ne pas pouvoir. Oui, je suis en chemin pour aller voir un client qui aimerait qu'on leur livre quelques sacs de ciment. Ok. Tu sais quoi? Je viendrai te voir quand j'aurai fini avec la réunion. Ok. À très bientôt. Bye. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Julie, tu es une bonne femme. La personne qui m'a embauchée pour ce job m'a raconté des mensonges sur toute la ligne. J'ai mené mes propres enquêtes et j'ai réalisé que tu es juste en train d'être punie pour des péchés que tu n'as pas commis. S'il te plaît, peux-tu me dire qui est cette personne afin que j'aille lui présenter mes excuses? Je t'en prie, je suis prête et capable de faire n'importe quoi pour sauver mon mariage. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai invitée dans ma chambre. J'ai compromis mon standard. Juste, fais juste ce que tu as à faire. Tant que cela ne m'aidera pas à te convaincre de supprimer ces photos et ces vidéos de ton téléphone. Je laisse juste... Remets juste tes vêtements. Tu sais, je ne peux pas me permettre de te toucher. Bon, je vais juste contacter ma boss et lui dire que je ne suis plus intéressé par notre deal. Et je trouverai un moyen de supprimer ces photos de son téléphone. Elle? Ton boss est une femme? Comme j'ai dit auparavant... Peux-tu, s'il te plaît, me dire qui elle est? Pour que j'aille implorer son pardon. Pour que j'aille lui demander pardon. Pardon pour tout. Pour tout ce que j'ai bien pu lui faire. Julie, comme je l'ai dit auparavant, remets d'abord tes vêtements. Je trouverai bien le moyen de régler cette affaire. Je crois que je vais y aller maintenant.
J'espère qu'on se reverra. Passe une très bonne journée. Excuse-moi. Non, toi. C'est toi qui as volé mon portefeuille. Qui a volé ton portefeuille? C'est toi, rends-moi mon portefeuille. Je te connais. C'est toi. Tu es malade? Voleuse. Tu aimerais mon portefeuille aujourd'hui. Voleuse. Laisse-moi tranquille. Voleuse, tu aimerais mon portefeuille. Hey. Je t'attrape aujourd'hui. Tu vas me le rendre. Laissez-moi tranquille. Écoute, je serai en prison aujourd'hui. Laissez-moi. Voleuse, donne justice, voleuse. Laissez-moi tranquille. J'aurais dû savoir que tu es incompétent pour ce job. Je t'ai donné une simple instruction à faire. Mais au lieu de faire ce pour quoi tu es payé, tu es allé tomber amoureux de cette stupide femme. Cette femme a toujours été une épine sous mon pied. Et je n'aurai aucun répit jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Retiens bien ceci. Dans 2 jours, cette idiote et son mari seront dans le séjour des morts. Hé, hey, bébé. Pourquoi es-tu si content? Tu as gagné au jackpot. Ha! Hé, hé! Ce que je vais te dire maintenant, hein, est plus résistant qu'une personne qui vient de gagner la cagnotte. Ha! Hé, hé! La police vient d'arrêter Boma. Quoi? La police a arrêté Boma ce matin. Pourquoi l'a-t-elle arrêtée? Ha! Elle est allée voler. C'est son travail. Dieu me sait que j'ai rompu avec cette fille. Cette fille est d'une poisse. Tu vois, Maka. Tu vois maintenant que la police a embarqué cette fille et l'ont mise en prison. Donc désormais, tu n'as absolument plus rien à craindre. Elle ne viendra plus du tout ici pour te nuire. Ne t'inquiète pas, je vais y réfléchir, ok? Ah, cela me rappelle. Moussa m'a passé l'information que mon oncle va bientôt rentrer. Ah, ouais? Je dois aller le voir dès qu'il arrive. Ah! Pourquoi veux-tu t'en aller? Pourquoi veux-tu partir? Est-ce que je ne prends pas soin de toi? Amaka, reste avec moi, je t'en prie. Ne t'inquiète pas, innocent. Même si je dois rester avec toi, je dois tout de même aller rencontrer mon oncle. Arrête de t'inquiéter pour moi. S'il te plaît. Ah. C'est vrai, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est moi qui vais t'y amener. Cela n'est pas nécessaire. Je dois le faire, ce pour moi-même. S'il te plaît. Pas de problème. Merci. Il y a à manger? Ah ouais? Il y a de la nourriture à l'intérieur. Ah. Salut, chérie. Mon petit cœur. Bienvenue. Ah. Tu m'as tellement manqué. Je suis contente que tu sois là. Où sont tes sacs? Ah. Moussa. Moussa. Occupe-toi de ça. Wow. Je veux un travail propre de vous deux. Et si vous le faites bien, je vais doubler la paye. Ne vous inquiétez pas, madame.
Sachez que vous avez engagé les meilleurs dans le domaine. Rassurez-vous, madame, nous allons faire un travail impeccable. Certainement, on va le faire. Faites juste ce que je vous ordonnerai. Et vous n'allez pas regretter d'avoir travaillé avec moi. D'accord, madame. Oh, c'est qui? Qui est là? Qui? Tais-toi. La ferme. C'est quoi? Qui êtes-vous? Oh, non! Aïe! Oui, pardon! Aïe. Allez, avance! Aïe! 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 Avance! Aïe! Aïe! Qui êtes-vous? Aïe! Aïe! Patron! Au gars! Sortez! Allez, à genoux! Aïe. Aïe, voilà, aïe, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, à genoux. Oui. S'il vous plaît, je vous en prie. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Pardon, patron. Pas de ce côté. S'il vous plaît, je vous en prie. À genoux. Oui, oui, oh, madame, madame. Oui, oui, oui. S'il vous plaît, ne nous tirez pas dessus. Tout ce que vous voulez, nous pouvons vous les donner. Mais je vous en prie, ne nous tirez pas dessus. Prends le gardien. Et allez ouvrir le portail. Allez, lève-toi. Avance. Plus hein? vite. J'ai dit plus vite. Allez, avance. Hein? Allez, ouvre le portail. Voilà l'idée. Voilà l'idée. Allez, go. Ouais. Je vous en prie. Pardon, madame. Pardon. Halima, quand est-ce que tu es rentrée au pays? Et comment as-tu retrouvé ma maison? Chérie, tu la connais? C'est mon ex. Celle dont je t'ai dit que je fréquentais avant de te connaître. Attends un instant, tu veux dire que... Hein? Halima est ton ex? Ouais. Lima, mon amie? Chérie, ça c'est la fille que je t'ai dit que j'ai rencontrée sur Facebook. Elle m'a ajoutée et nous sommes devenues amies. Comment est-elle? Comment? On ne t'a pas dit que la meilleure façon de détruire son ennemi est de devenir son ami? Donc, c'est... pour cette merde que tu m'as quittée? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu m'as laissée pour ça? Parce qu'elle te donnait du sexe à volonté et que moi non? Écoute, Halima, nous pouvons résoudre le problème amicalement. J'ai quelques explications à... Là. Aïe. C'est trop tard pour demander pardon. J'ai dû planifier cette revanche depuis le jour où tu m'as brisé le cœur. Je t'en prie. S'il te plaît. Je... Tu vois ce petit garçon? Ce petit bout de chou? C'est mon fils. Notre fils! Ce petit ange, j'étais enceinte de lui lorsque tu m'as quittée. Mon fils a été son père durant ces 5 dernières années. Il m'a demandé où est mon père. J'ai dû lui dire que son père était mort et parti. Aujourd'hui, tu vas mourir entre mes mains. Mais avant que tu ne meures, laisse-moi te montrer les photos de cette merde que tu appelles épouse. Prends-les! Regarde-les. Ce n'est pas la femme que tu crois. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Ferme-la! J'ai dit ferme-la!
parce que tous les deux, vous allez mourir. Arrêtez! J'ai dit arrêtez! C'est la police! Posez cette arme. Que pensiez-vous en train de faire? Vous êtes tous en état d'arrestation. Tout ce que vous ferez ou tout ce que vous direz pourrait être porté contre vous devant la cour de justice. Déposez cette arme. J'ai dit déposez cette arme! C'est ça. Avancez! Avancez! Dépêchez-vous! Avancez, avancez! Avance! Avance! Hé! Embarquez-les! Tu m'as trahi! Je te déteste! Et arrêtez! Laissez-moi! Je suis en état d'arrestation! Avancez, madame! Avancez! Officier! Arrêtez-la! Messieurs, vous allez bien? Vous allez bien? Madame, vous allez bien? Ok. Monsieur, vous me retrouvez au poste de police juste après, d'accord? Ok. Vous pouvez vous venir au poste de police? Merci, officier. D'accord, très bien. Je vous verrai au commissariat. Merci, ah, monsieur! Tu m'as trompé avec lui! Non, elle ne l'a pas fait. Ces photos ont été truquées. Te souviens-tu du jour où on s'est rencontrés à la piscine? Ton ami, Lima, avait déjà tout planifié. Nous t'avons drogué et nous avons pris toutes ces photos. Tu veux dire que Lima a planifié tout ceci? Oui, tout à fait. Elle était prête à tout pour détruire ton mariage. Elle m'a dit que vous étiez les meilleurs amis à l'école il y a longtemps. Et que tu lui avais volé son petit ami. Et qu'il l'aurait abandonné sachant qu'elle était enceinte. Moi? Mais heureusement pour toi, j'ai rencontré ma cousine ici chez toi l'autre jour. Angela est ta cousine? Oui. Roxy est mon cousin. Je suspectais déjà le fait que tu me cachais quelque chose. Ensuite, je l'ai croisé ici. Je me suis dit qu'il était forcément responsable de ce par quoi tu passais. Alors je lui ai rendu visite et je l'ai forcé à m'avouer ce qui se passait entre vous. Tu n'imagines pas le choc que j'ai eu lorsque j'ai appris que celle que tu considères comme ton amie l'a payé pour qu'il détruise ton mariage. Vous êtes en train de dire que vous n'avez eu aucune intimité avec ma femme? Je n'ai eu aucune intimité avec votre femme. Bien que je sois sur le point, mais ce n'est pas dans mes habitudes d'abuser des femmes animées uniquement par l'alcool. Je pourrais être n'importe quoi, mais certainement pas un violeur. Julie, je suis vraiment déçue du fait que tu ne m'aies pas assez fait confiance pour te confier à moi. Mais tu as plutôt choisi de te confier à quelqu'un que tu connais à peine. Quelqu'un qui est en réalité le commanditaire de tous tes ennuis. Angela, je suis désolée. Vraiment. Vraiment désolée. J'ai pensé que si je te le disais, tu l'aurais rapporté à Conley. Et Conley, en retour, lui aussi l'aurait dit à mon mari. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Julie? Et si ce n'était l'intervention d'Angela, Alima nous aurait certainement tués tous les deux. Chérie, je suis désolée. Je ne le voulais pas. Ok. C'est bon. Tic, 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 tic. Et voilà. Bonjour, monsieur. Amaka? Monsieur. Pourquoi es-tu partie de la maison sans rien dire à personne? Je ne suis pas partie de moi-même. Madame m'a jetée dehors. Non. Elle a dit que tu es partie de toi-même. Mon oncle, vous me connaissez depuis des années. Je ne vous ai jamais menti. Madame est rentrée ce soir-là, extrêmement ivre. J'ai essayé de l'aider lorsqu'elle m'a jetée hors de la maison. Tu aurais dû m'appeler.
Elle ne m'a même pas laissé le téléphone. Je n'avais aucun moyen pour vous joindre. Et où est-ce que tu habitais tout ce temps? J'étais chez mon ami. Ah, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Amaka. Bonjour, madame. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Amaka, je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. Je suis désolée. Amaka, je veux m'excuser pour la manière dont je t'ai maltraitée. S'il te plaît, pardonne-moi. Et s'il te plaît, nous voulons que tu reviennes dans cette maison. Je suis désolée, madame. Je ne peux pas revenir. Je suis bien où je reste. Jeune homme. Monsieur, elle dit qu'elle habitait chez vous. C'est exact, monsieur. J'espère que vous n'avez pas du tout profité d'elle. Non. Je ne l'ai pas touché, non. D'ailleurs, elle est la seule à se coucher sur le lit. Et moi, je me couche au sol. Je n'ai pas touché Amaka, je ne l'ai jamais touchée. Mais c'est juste après notre mariage que je pourrais la toucher. De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Mon oncle, il dit la vérité, il ne m'a jamais touchée. Il dit qu'il veut m'épouser. Pour cela, tu dois revenir dans cette maison. S'il doit t'épouser, il doit passer par moi. Je suis celui qui a toujours pris soin de toi depuis la mort de tes parents. On est d'accord? Oui, monsieur. Je t'apprécie vraiment. Et j'apprécie ton courage. Alors tu es libre de venir ici deux fois et tous les jours. Amaka? Monsieur. Apporte-lui quelque chose à boire. D'accord, monsieur. Apporte de l'eau. De l'eau. Nous avons du vin, des whisky. Alors? C'est bon. Merci, monsieur. Merci, madame. C'est bon. Merci. Je suis sur le but. Ah! Ha, ha, ha. Qu'est-ce qui se passe par ici? Salut, Kachi. Je n'ai pas vu ça venir, frérot. Je suis vraiment content pour vous, les gars. Eh bien, j'ai finalement trouvé l'amour. Et je peux dire que c'est merveilleux. Oh, bien sûr qu'elle est belle. Angela, oui. Je voudrais te dire merci d'avoir sauvé mon mariage. Je veux dire, tu as montré ce qu'un vrai ami peut faire. Mettre ta vie en danger pour ta meilleure amie qui est ma femme. J'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oh oui. Alors tu sais jouer au billard? Oui, mec, je suis même meilleure que lui. Elle est très forte, cette fille. Ouais. Est-ce que je te le dis? Je pense que tous les deux, vous avez certainement quelque chose en commun. Oui, nous avons ça en commun. Ok, voyons voir. Oui, voyons ça. Oh. Je vais le battre. Ce n'est pas ta boule. Voici la tienne. Oh, vous savez, je commence vraiment à être confus. Les effets de la défaite. Oh, alors qu'il fallait pousser un peu plus fort. Ok. C'est une pro. Wouh! Tu l'as raté. Qu'à cela ne tienne, je joue mieux que ton ami. Ouais, bien sûr que tu peux. Allez, calme-toi. On se réveille. Bonjour, ma chérie. Chérie. J'ai fait le petit déjeuner pour nous deux. Tu as fait le petit déjeuner? Oui. Ah. Chérie. Je n'arrive pas à croire que tu m'aimes toujours malgré mes erreurs. Hey, c'est humain de faire des erreurs.
Tu dois être prudente dans ta façon de te faire des amis, particulièrement sur Internet. La plupart des personnes sur Internet ne sont pas réelles. Tu dois juste remercier Dieu que ton amitié avec Lima n'a pas du tout été fatale. J'espère que cela a pu te donner une bonne leçon. J'ai également reçu une leçon. Mais j'aimerais que tu me fasses une promesse. Promets-moi que tu ne vas plus jamais me cacher un secret, même si celui-ci semble du tout ne pas être important. Je te le promets. Et je promets aussi de t'aimer, prendre soin de toi, et beaucoup te chérir. Notre fils, ainsi que nos enfants, à venir jusqu'à la fin de mes jours. Merci, bébé. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi.